Bonjour. Si la difficulté de calculer l'intégrale d'une fonction vient du fait que vous ne savez pas comment trouver une primitive de cette dernière, et même si l'intégration par partie ne donne pas de résultat, ne vous en faites pas. Sans savoir calculer une primitive d'une fonction, et sans utiliser l'intégration par partie, vous pouvez tout de même réussir à calculer la valeur exacte de cette intégrale. Et cela grâce à la technique du changement de variable. L'intégration par changement de variable, c'est de rendre l'intégrale de la forme intégrale de a à b, f de u de t, fois u prime de t, dt, à la forme l'intégrale de u de a à u de b, f de u, du. Donc, si on reconnaît la forme de l'intégrale de f de u de t, fois u prime de t, dt, on va remplacer le u de t par u et le u prime de t dt par du. Alors on aura l'intégrale de la forme f de u du. Par ce changement, on veut s'occuper de u comme variable et on intègre f de u du. Cela va donner une primitive grand f de u plus une constante, puis on remplace le u par le u de t pour faire un retour à notre variable initiale. Donc grand F de U de T plus une constante, c'est bien le résultat cherché. Ça, c'est le principe de l'intégration par changement de variable. Maintenant, on va voir un exemple. Par cet exemple, on veut mieux concrétiser le principe de l'intégration par changement de variable, calculant l'intégrale de sinus au carré de T fois cosinus de T dt. Pour calculer cette intégrale, il suffit de reconnaître que l'intégrale de sinus au carré de t fois cosinus de t dt peut s'écrire sous la forme de l'intégrale de f de u de t fois u prime de t dt pour pouvoir la remplacer par l'intégrale de f de u du. En fait, si on pose f de x est égal à x au carré et u de t est égal à sinus de t, donc f de u de t est égal à u au carré de t est égal à sinus au carré de t. Et u prime de t est égal à sinus prime de t est égal à cos de t. Car la dérivée de la fonction sinus est égale à la fonction cosinus. Alors, u prime de t dt est égal à cos de t dt. Donc, l'intégrale de sinus au carré de t fois cosinus de t dt s'écrit sous la forme de l'intégrale de f de u de t fois u prime de t dt. Ici, on a remplacé sinus au carré de t par f de u de t et cosinus de t dt par u prime de t dt. Alors, on remplace cette intégrale par l'intégrale de f de u du. Bien sûr, avec u est égal à ut et du est égal à u prime de t dt. Alors, l'intégrale de sinus au carré de t fois cosinus de t dt est égal à l'intégrale de u au carré du. F de u est égal à u au carré, car on sait que f de x est égal à x au carré. Alors, cela est égal à une primitive de u au carré est égal à 1 sur 3 u au cube plus une constante. Et pour revenir à notre variable de départ, on remplace le u par le u de t. On a donc l'intégrale cherchée est égale à 1 sur 3 u au cube de t plus une constante. En conclusion, l'intégrale de sinus au carré de t fois cosinus de t dt est égale à 1 sur 3 sinus au cube de t plus une constante. Ici, on a remplacé le ut par sinus de t. Donc, ça, c'est bien le résultat cherché. Donc, maintenant, on va voir un exercice. Calculer l'intégrale de 0 à pi sur 3 cosinus au carré de x fois sinus de x dx. On sait que l'intégrale de a à b f de u de t fois u prime de t dt est égale à l'intégrale de u de a à u de b f de u du. Donc, si on peut reconnaître que l'intégrale de 0 à pi sur 3 cosinus au carré de x fois sinus de x dx s'écrit sous la forme de l'intégrale de 0 à pi sur 3 f de u de x fois u prime de x dx. Dans ce cas,
on peut la remplacer par l'intégrale de u de 0 à u de pi sur 3 f de u du. Donc, cherchons la forme, l'intégrale de 0 pi sur 3 f de u de x fois u prime de x de x. Donc, pour cela, posons f de t est égal à t au carré et u de x est égal à cosinus de x. Donc, f de u de x est égal à u au carré de x est égal à cosinus au carré de x. Et u prime de x dx est égal à moins sinus de x dx. Moins sinus de x, ça provient de la dérivée de la fonction cosinus. Alors, on peut écrire que l'intégrale de 0 pi sur 3 cosinus au carré de x fois sinus de x dx est égal à moins l'intégrale de 0 pi sur 3 cosinus au carré de x fois moins sinus de x dx. Ici, le moins et le moins, ça donne plus. Donc, on n'a rien changé dans cette expression. Donc, l'intégrale de 0 pi sur 3 cosinus au carré de x fois sinus de x dx s'écrit sous la forme de moins l'intégrale de 0 pi sur 3 f de u de x fois u prime de x dx. Alors, on obtient la forme moins l'intégrale de u0 à u de pi sur 3 f de u du avec u est égal à u de x et u prime de x dx est égal à du. On sait que f de u est égal à u au carré, car on a f de t est égal à t au carré. Donc, u primitive de u au carré, c'est 1 sur 3 u au cube. Donc, moins l'intégrale de u de 0 à u de pi sur 3 est égal à moins, entre crochets, 1 sur 3 u au cube de u de 0 à u de pi sur 3. Alors, l'intégrale de 0 pi sur 3 cosinus au carré de x fois sinus de x dx est égal à moins entre crochets de 1 sur 3 u au cube de 1 à 1 demi. Car ici on a u de 0 est égal à cosinus de 0 est égal à 1 et u de pi sur 3 est égal à cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Remplaçant par les bornes, on aura moins 1 sur 3 fois 1 sur 8 moins 1 est égal à moins 1 tiers multiplié par moins 7 sur 8 est égal à 7 sur 24. Donc c'est bien le résultat cherché. En conclusion, l'intégrale de 0 à pi sur 3 cosinus au carré de x fois sinus de x de x est égal à 7 sur 24. J'espère que le principe de l'intégration par changement de variable est maintenant clair pour vous. Et pour plus d'exemples d'intégrales par changement de variables diversifiées, claires et détaillées, consultez nos documents complémentaires. Au revoir.